Société Gateau LS. En fait, société spécialisée dans tout ce qui est technologie mobile. On a choisi de participer au forum pour la simple raison qu'on veut les étudiants. C'est quoi leurs besoins. Ils nous donnent des idées. Surtout, les étudiants de plus en plus ont des projets innovants. Où on les aide pour leur projet de fin d'études. Notre impact, au fait, c'est on facilite le rapprochement de tous les participants, que ce soit des particuliers ou professionnels, pour qu'ils aient l'information, pour qu'ils aient l'intégration de la nouvelle technologie avec ce qu'il y a sur le marché. En fait. بحول الله عجبتني برشا السنة هذه أول مرة نبارتيسيب وسسخة إن شاء الله عام الجاي زاد نشاركو فيه ورد ميجري je suis le responsable des ressources humaines, responsable management de la qualité, auditeur tierce partie de Comet Engineering. Comet Engineering, c'est un bureau d'études multidisciplinaire. Nous agissons principalement dans les secteurs, tous secteurs d'activité. Nous faisons notre métier, c'est tout ce qui est études, assistance technique dans les domaines hydrauliques, environnement, infrastructures routières, bâtiments, études économiques et conseils principalement. Notre premier marché, c'est l'Afrique et nous sommes constitués à 80-90% d'ingénieurs. Ça fait partie quand même des habitudes de Comet Engineering. Nous n'hésitons jamais à participer à de tels forums puisque nous agissons en quelque sorte en tant que chasseurs de têtes puisque notre première ressource, c'est les ingénieurs. Et ça fait partie de nos habitudes quand même de participer dans de tels forums. Certainement, lors de ce genre de forum, nous repérons nos futurs quand même cadres, nous repérons notre première ressource, c'est les ingénieurs. Et certainement, nous améliorons notre base de données de CV, nous faisons des contacts et certainement on aura des échanges avec les étudiants, avec les profils, avec les nouveaux quand même, les nouveaux diplômés. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, pour être très ouvert à ce genre de... surtout au profil d'ingénieurs, pour être ouvert surtout aux étudiants, à l'évolution du marché de l'emploi, nous y croyons toujours et nous y participerons, Inch'Allah, la prochaine fois. Bonjour, donc Benoît Borin, je travaille donc chez PSA Peugeot Citroën, hein, donc un grand constructeur automobile international, hein, donc on est implanté en Amérique du Sud, en Europe bien évidemment, hein, en Chine. Et... Donc mon travail donc, chez eux, donc, c'est le développement des systèmes de chaînes de traction hybride, notamment, hein, on s'est intéressé là-dessus, donc sur les micro-hybrides, donc l'arrêt des moteurs, etc., les full hybrides. Et voire même des véhicules électriques en petite échelle. Alors je suis venu ici à ce salon en tant que conférencier, hein, donc l'objectif était vraiment de partager les compétences, la connaissance et de rencontrer des étudiants donc, qui sont intéressés par les technologies dans l'automobile, hein, évidemment, par mon métier. Et donc, c'est toujours un plaisir de rencontrer ces étudiants-là. Quoi. Pour la société, au PSA, étant une grande multinationale, on n'attend pas forcément un retour direct. Hein. Par contre, on a toujours un plaisir à rencontrer les étudiants, éventuellement avoir des idées, et éventuellement pour de futurs stages. Ou, je pense que c'est surtout une porte pour les étudiants qui sont contents de rencontrer des grandes sociétés comme ça. Oui, effectivement, je pense que ce soit à SUS ou dans d'autres conférences, hein, dans d'autres cadres, c'est toujours très intéressant hein, de voir l'ensemble des autres sociétés également, voir ce qu'elles proposent, de rencontrer les gens, que ce soit des professionnels ou des étudiants. Ismi Mohsen, je suis ici, je suis responsable recherche et développement à l'AFNIC, l'organisme en charge des noms de domaine en .fr.
جيت للمنتدى هذايا اللي هو في الدورة الأولى متاعه باش نحضر نسمع محاضرين في الميدان متاعي، وزاد باش نعطي رسالة معناها متواضعة للطاقات والشباب متاعنا هنا في تونس اللي هما ماشيين في ميدان تكنولوجيات الاتصال. حبيت معناها ندرس كيفاش الأمور تنجم تتحسن ديما، وكيفاش الشباب التونسي ياخذ التكنولوجيات هذه بأكثر جدية ويتمكن منها وينبغ فيها، وتونس تكون معناها ريادية في الدول المماثلة لها، وعلاش لا تدخل معناها في الدول المتقدمة اللي هي اليوم عندها قوة كبيرة ياسر في تكنولوجيات الاتصالات. بطبيعي احنا اليوم في الدورة الأولى، إذا كان ثم دورة ثانية وفما معناها تواصل في الأفكار هذه يسرني ياسر أني نحضر لها ونساهم معناها بصفة متواضعة في الاتصال معناها بالشباب التونسي اللي هو راغب معناها باش يمشي معناها أطول حاجة ممكنة في الميدان هذا. Bonjour, je suis Didier Minesti, je travaille à EDF en recherche et développement et je suis responsable de la recherche sur énergie renouvelable et photovoltaïque. Parce que il y a beaucoup d'enjeux autour du développement des énergies renouvelables et c'est particulièrement intéressant de partager ces enjeux, y compris avec les étudiants, donner une bonne vision du monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'on espère qu'il sera demain. Oh, c'est du partage, hein. Donc effectivement on rencontre des étudiants, EDF recrute toutes les nationalités, on a des stages, voilà, c'est surtout un accompagnement plus RH qu'un impact direct. Oui, pourquoi pas, si j'ai le bonheur d'être invité. اسمي هشام سنوسي، انا بروفيسور ديز يونيفرسيتي، دونك عندي ايكيب دو ريشيرش à l'université de technologie de Troyes et à la fois je suis directeur scientifique d'une start-up en fait que j'ai créée il y a 2 années. La start-up en fait qui commercialise et conçoit en fait des caméras intelligentes pour la surveillance et la sécurité des systèmes. Donc j'ai choisi de participer à ce forum afin de partager mon expérience en fait dans le domaine des hautes technologies et surtout en fait de faire en fait savoir quelques secteurs qui peuvent être stratégiques en fait dans le développement du pays. Donc l'impact, sachant que nous on est dans un secteur en fait qui consomme beaucoup de matières grises, donc on a besoin de beaucoup de compétences, et donc ça peut en fait donner des idées en fait à nos futurs étudiants en fait de participer à ce développement. Ah oui, bien sûr, en fait si c'est un événement en fait qui est très important en fait et ça peut être très intéressant de faire partie des présentations l'année prochaine. Qais Mabrouk, président du Forum technologique de Sousse, édition 2013. Ce forum a été organisé en partenariat par l'École polytechnique Sousse, en partenariat avec différentes entreprises qui ont bien accepté de porter le challenge, qui nous ont fait confiance et qui ont apporté soit leur savoir-faire, soit leurs conférenciers ou soit des subventions. Ces entreprises, je tiens à les remercier en premier lieu parce qu'ils nous ont fait confiance dans un contexte très difficile et ils ont pris le pari d'investir dans une action, dans une initiative, et puis on est parti avec beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de spontanéité, et j'espère que ce forum qui a moitié jusqu'à présent réussi, j'espère qu'il aura le même succès pour les années à suivre. Le forum avait pour objectif de donner, on va dire, l'état des lieux, une sorte de mise à jour, si j'utilise un mot en anglais, un update de toutes les technologies utilisées dans les différents domaines qu'on a présentés, l'énergie, l'internet, les télécoms, le génie civil, l'aéronautique, notamment avec les drones. L'objectif, c'est pas une conférence scientifique telle qu'on a l'habitude de connaître, c'est-à-dire recherche ou science, non, là c'est plutôt des innovations technologiques qui sont plus exploitées dans le monde industriel, dans le monde réel, dans le monde de l'entreprise.
aussi, on a voulu donner l'opportunité à des jeunes diplômés ou à des futurs diplômés de renforcer leur employabilité. Ils ont eu l'occasion de travailler sur leur CV, ils ont eu l'occasion de rencontrer des professionnels, ils ont eu l'occasion de voir des professionnels travailler et surtout d'échanger, de créer des liens, on va dire, de connectivité. Nous avons aussi permis à des entreprises innovantes de la région du Sahel, principalement de la pépinière d'entreprises de Sousse, de venir exposer aux personnes qu'on a accueillies ce matin et qu'on continue à accueillir pour la journée, leur innovation technologique. Moi, Sarsour, donc le président directeur général de l'ATI, l'Agence tunisienne d'Internet. Voilà, je suis vraiment un plaisir. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à ce forum parce que je pense que c'est un beau débat. Primo avec les jeunes, avec les étudiants, avec là aussi les gens de la ville de Sousse que je salue d'ailleurs par cette occasion. Et en même temps, bon, je pense que ce dialogue est très important parce qu'on a besoin d'avoir ce type de dialogue, surtout pour tout ce qui est question en relation avec Internet. On sait très bien que la gouvernance Internet, c'est une gouvernance ouverte à la société civile et ce type de forum permet donc de rehausser ce niveau de débat et de poser des questions qu'il faut par rapport au développement d'Internet en Tunisie. Je pense que voilà. Pour la participation, je pense que, bien sûr que je serai là, c'est un plaisir, comme j'ai dit, et je pense qu'il y a pas mal de sujets, de questions à débattre de son type de forum, et qui permettront à l'internat en Tunisie de se développer. Voilà. Bon. L'impact, bon. Moi, je ne veux pas mesurer l'impact, mais je peux dire que par rapport à ce forum, c'est que c'est important que les gens sachent que ce qu'on fait, ce que l'ATI a décidé de faire après la Révolution et ce qu'on essaye de faire pour l'avenir de l'Internet. On a pas mal d'opportunités aujourd'hui. Nos jeunes doivent croire en leurs capacités. L'innovation, c'est le mot-clé. Et je pense qu'on a tout dit et j'espère que le message passera et qu'on pourra vraiment compter sur eux l'année prochaine pour...